The way the army often gets recruits is to put up notices like this. Your country needs you. Votre pays a besoin de vous. A lot of French military words are similar to English ones. Captain, capitaine. Uniform, uniform. A soldier, un soldat. In the army, dans l'armée. The word fusilier, rifleman, comes from fusil. You have to know how to hold a rifle. Il faut savoir tenir un fusil. Slope arms or shoulder arms is porter arme. That means to carry the rifle on your shoulder, sur l'épaule. A shoulder, une épaule. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que... Mon capitaine. Pardon? Je suis un capitaine dans l'armée. Ah bon? Alors il ne faut pas dire bonjour, monsieur. Il faut dire bonjour, mon capitaine. Ah. Alors dites-le. Bonjour, mon capitaine. Bonjour. Alors, que voulez-vous? Qu'est-ce que ça dit, mon capitaine? Ça dit, votre pays a besoin de vous. Oh, mon pays a besoin de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre pays a besoin de soldats. Vous voulez être un soldat, comme moi? Oui, un soldat comme vous. Oui, que votre uniforme est beau. Si vous voulez être un soldat, il faut savoir tenir un fusil. Un fusil? Portez! Arme! Portez arme! Ça veut dire porter le fusil sur l'épaule. Ah, sur l'épaule? Oui, sur l'épaule, l'épaule. Ah oui, l'épaule! Votre pays a besoin de vous. Your country needs you. Un soldat dans l'armée. A soldier in the army. Portez arme, shoulder arms. Un fusil sur l'épaule. A rifle on the shoulder. In the army, one learns how to do simple things all over again. How to stand straight, se tenir droit, how to keep one's stomach in. Recruits are always told, stomach in, rentrer le ventre. Rentrer means to pull in. Ventre means stomach or tummy. Another word for this is estomac. Chest out, bomber la poitrine. Bomber means to swell into a round shape like a bomb. Chin up. Lever la tête. Literally, lift the head. Pas sur mon épaule, sur votre épaule. Ah, sur mon épaule. Oh, il est lourd, mon fusil. Maintenant, vous allez apprendre à vous tenir droit. Oh, je sais comment me tenir droit. Comme un soldat. Mettez les pieds ensemble. Mettez les pieds ensemble. Oh. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Rentre. Bombez la poitrine. Bombez la poitrine. Levez la tête. Levez la tête. Et maintenant, oui. À droite, tournez. Se tenir droit, to stand straight. Rentrer le ventre, stomach in. Bombez la poitrine, chest out. Levez la tête, chin up. To turn right, tournez à droite. To turn left, tournez à gauche. Once more, encore une fois. Here are some more commands. Forward, march. En avant, marche. Stop. Arrêtez. Another word for this is halt. Halt. To obey orders, obéir aux ordres. J'ai dit à droite, tourner. Ça ne veut pas dire à droite, marcher. Ça veut dire tourner à droite. Tourner à droite. Encore une fois. Encore une fois. À droite. Tournez. Attendez. Maintenant, je vais dire en avant, marche. En avant, et vous allez marcher. Marcher, 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 marcher. C'est ça. Marcher. Alors. Mon capitaine. Oui.
Quand est-ce que je vais arrêter de marcher? Mon fusil est lourd, vous savez. Vous arrêtez de marcher quand je vous dis d'arrêter, pas avant. Oui, mais si je suis fatigué... Ça ne fait rien. Vous ne devez pas arrêter avant que je vous dise d'arrêter, compris? Compris, mon capitaine. Un soldat doit obéir aux ordres. Obéir aux ordres. Alors, en avant, marche! À gauche, tournez! À droite, tournez! Halte! 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 Je n'ai pas arrêté! Oui, mais dans l'armée, halte! Ça veut dire arrêter! Encore une fois, once more. En avant, marche. Forward, march. Arrêtez. Stop. Obéir aux ordres. To obey orders. Now, here's the complete sketch again. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que... Mon capitaine. Pardon? Je suis un capitaine dans l'armée. Ah bon? Alors, il ne faut pas dire bonjour, monsieur. Il faut dire bonjour, mon capitaine. Ah. Alors, dites-le. Bonjour, mon capitaine. Bonjour. Alors, que voulez-vous? Qu'est-ce que ça dit, mon capitaine? Ça dit... Votre pays a besoin de vous. Oh, mon pays a besoin de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre pays a besoin de soldats. Vous voulez être un soldat comme moi? Oui, un soldat comme vous. Oui, que votre uniforme est beau. Si vous voulez être un soldat, il faut savoir tenir un fusil. Un fusil? Portez! Arme! Portez arme! Ça veut dire porter le fusil sur l'épaule. Ah, sur l'épaule? Oui, sur l'épaule, l'épaule. Ah oui, l'épaule! Pas sur mon épaule, sur votre épaule! Ah, sur mon épaule! Ouh! Il est lourd, mon fusil. Maintenant, vous allez apprendre à vous tenir droit. Oh, je sais comment me tenir droit. Comme un soldat. Mettez les pieds ensemble. Mettez les pieds ensemble. Ouh. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Bombez la poitrine. Bombez la poitrine. Levez la tête. Levez la tête. Et maintenant, oui. À droite, tournez. J'ai dit à droite tourner. Ça ne veut pas dire à droite marcher. Ça veut dire tourner à droite. Tourner à droite. Encore une fois. Encore une fois. À droite. Tournez. Attendez. Maintenant, je vais dire en avant marche. En et avant, vous allez marche. Marcher. Marcher, 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 marcher. C'est ça. Marcher. Alors. Mon capitaine. Oui. Quand est-ce que je vais arrêter de marcher? Mon fusil est lourd, vous savez. Vous arrêtez de marcher quand je vous dis d'arrêter, pas avant. Oui, mais si je suis fatigué... Ça ne fait rien. Vous ne devez pas arrêter avant que je vous dise d'arrêter, compris? Compris, mon capitaine. Un soldat doit obéir aux ordres. Obéir aux ordres. Alors, en avant, marche! À gauche, tournez! À droite, tournez! Halte! 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 Je n'ai pas arrêté! Oui, mais dans l'armée, halte! Ça veut dire arrêter! Thank you.